Quand est-ce qu'on utilise un chaînage et quand est-ce qu'on utilise une longueurine Le chaînage, il est utilisé lorsqu'on a un mur de façade. Donc, le rôle du chaînage, c'est de supporter le mur de façade. Donc, si vous allez si remarquer ici, donc, le mur, il est là. Le mur de façade, il est là. Ici, on a le mur. Le mur, il est la périphérie. Donc, ici, on a le mur. On va tourner. Voilà. Jusqu'à là, voilà, et ça, ça, tout ça c'est un mur. Donc, si on revient au plan, on va trouver le chaînage qui suit le mur. Voilà, le chaînage il va suivre le mur. D'accord Et à l'intérieur du dallage, on va prévoir des longrines Le rôle de la longrine tout simplement, c'est de chaîner les poteaux. Lorsqu'on a un des poteaux, on doit les chaîner par des longrines On va voir mieux ça au niveau du sous-sol. Au niveau du sous-sol, on va trouver voilà ici on a un poteau. Toujours on doit chaîner les poteaux toujours par des langrines. Toujours on doit les chaîner par des langrines, d'accord Tous les poteaux doivent être chaînés par des langrines, d'accord Mais attention, lorsqu'on utilise des langrines, on doit respecter des règles.